Mon père est mort. Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Mais je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. Je dois tuer Charles. Rejoignez Lee. Nous sommes aujourd'hui rassemblés en souvenir d'un visionnaire qui voulait changer le monde. Et qui y est parvenu. Regardez autour de vous. Les Britanniques s'apprêtent à repartir. Leur esprit brisé. Leur force défaite. Et le gouvernement des Patriotes connaîtra bientôt le même sort. Il nous servira. Il m'a dit de partir. Ce jour-là, à Fort George. Il pensait que j'étais en danger. J'aurais dû rester. Il a dit qu'il ne courait aucun risque. Il se trompait. Je vais te tuer, Connor. J'en fais le serment. Mais pas ici. Pas aujourd'hui. Non. D'abord, je vais détruire ce qui t'est cher. Je vais réduire ton domaine en cendres et jeter les têtes décapitées de tes précieux pères fondateurs dans ces flammes. Et quand j'en aurai fini avec eux, j'incendierai tout le reste. Ta joyeuse bande d'assassins, les misérables qui vivent sur tes terres, ton village et ton peuple, tous disparaîtront. Tu peux essayer, Charles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais connu que l'échec. Mettez-le debout. Il attendra. Et il observera. Et lorsque j'aurai détruit l'œuvre de toute sa vie, alors je lui donnerai la permission de mourir. Emmenez-le. Tu t'attends... Ah, j'adore enchaîner des kills comme ça. Où est parti Charles Lee? Au port. Il doit prendre un bac.
Peut-être s'offrir un peu de tranquillité. Les assassinats à 3 soldats. Pas grimper là. C'est bizarre hein, parce que visuellement on jurerait qu'on peut. Je saute. Ah, je vais te bloquer. Ah, c'est assez casse-pied. On discerne mal les zones où on peut se mettre des autres. Et là, il peut même pas sauter. C'est un con. Pas très agréable, hein. Oups. Bon, on commence à cerner un peu la ronde du garde. Logiquement, dès qu'il va se retourner, je vais pouvoir y aller. Il me demande d'aller là. Je pense que ces hommes correspondent à vos critères. Ils vont me vous tromper. Ils sont faibles et souffrants. Nous voulons bâtir une armée, pas un hospice. Il faudrait des mois pour les rendre aptes au combat. Nous n'avons pas le temps. Non, par pitié, nous ferons tout ce que vous voudrez. Tout. Ne nous laissez pas moisir ici. Silence, chien. Vos marchandises sont inutilisables.
Peut-être que nous devrions en parler dans ma cabine. L'être, quand je pense qu'on a fait tout ce chemin pour rien, donnez-moi une bonne raison de ne pas vous jeter à la mer. Inutile d'en venir là. Laissez-moi un peu de temps. Je fouillerai les autres bateaux, au besoin. Je suis sûr que certains prisonniers vous seront utiles. Très bien. Vous avez 2 jours. Merci. Présentez-vous à la taverne du Green Dragon à Boston avec vos recrues. Nous vous retrouverons là-bas, avec notre maître. Ça a marché ou pas ? Assassinez, échappez-vous. Limité à 2 assassinats. Bon. Je peux le faire. Nice.